Le Père Noël est prêt à recevoir les demandes des enfants du monde entier. Cette année, avec sa tablette magique, il a décidé d'être connecté au monde. Justement, Pierre, un petit garçon qui habite en France, lui envoie un message. Pierre a une demande plutôt étonnante. Il voudrait offrir à son papa une noix de coco. Le petit garçon sait que son papa en a mangé en allant un jour dans les îles. Le Père Noël fait ses valises et établit un plan de vol. Il va falloir aller dans de nombreux pays pour apporter des cadeaux aux enfants. Allez, mes reines, Chico et Roberta, en avant! Le Père Noël vole au-dessus des maisons, passe à côté de la lune et des nuages. Enfin, lorsque le jour se lève, les nuages s'effacent progressivement et les reines du Père Noël descendent dans le ciel. Une île apparaît soudain. Les reines ne pouvant pas atterrir sur le sable, le Père Noël décide de prendre une planche sur son traîneau et de se mettre en maillot. Il surfe sur la mer, évite les poissons et saute sur le sable. Là, il découvre des cocotiers par dizaines mais ils sont trop grands. Oh, pff, comment atteindre les noix de coco? se demande le Père Noël. Fatigué, le Père Noël essaie avec son bonnet en le lançant vers les noix de coco. Quel dommage. Le bonnet est trop léger pour atteindre le haut de l'arbre. Il flotte dans l'air si bien qu'un oiseau l'attrape avant même qu'il ne retombe. Le Père Noël est furieux. Il tape des pieds, tandis que les oiseaux rient en voyant ses cheveux hérissés sur sa tête. Il se dit qu'il ne peut pas revenir bredouille, car Pierre doit avoir le cadeau demandé pour son papa. Le Père Noël demande aux oiseaux moqueurs de l'aider. Ils se mettent à taper sur les noix de coco et des dizaines d'entre elles tombent sur le Père Noël. Il récupère son surf, met une noix de coco dans son bonnet et repart vers la mer. Quelques jours plus tard, il livre, toujours en short, la noix de coco au pied du sapin de Pierre.